l'amour et dans le partage et la République démocratique du Congo, on a là tant besoin au vu de tout ce que nous avons connu et que nous connaissons encore. Pas le temps de jouer à la fortune des infortunes qui auront toujours là quelque chose mais à dire sur la qualité du travail de ceux qui les dérangent. Pourquoi le Congolais n'est-il pas capable de reconnaître en l'autre le plus qu'il apporte sans autant avoir à le vilipender? Né d'une culture d'ouverture, j'encourage toujours ceux qui, par leur savoir-faire, apportent là leur pierre à l'édifice, sans la moindre arrière-pensée qui amuse tant l'arrière-cour. Nous ne sommes pas dans un jeu de pistes qui tient plus aux égaux, mais dans un combat où toutes les intelligences sont les bienvenues, tant qu'elles convergent dans la même direction, afin de déblayer le terrain de ces mauvaises plantes qui sont là, autant de cactus sur notre chemin de croix. À ceux qui parlent de plagiat, comme par inadvertance, ne serait-il pas là simplement un mauvais goût au mauvais coup du sort? Ne soyons pas manichéens, mais soyons complémentaires pour donner à cette lutte de libération toutes ces lettres de noblesse. Pas qu'au large de côte, sur ces plages blancs, au sable si fin, où certains se prélassent et se laisse là, mais prendre et entraîner par le chant des rossignols, qu'il en vienne à crier là au plagiat du fait de la pertinence de la mélodie. À bon entendeur, salut!